not think about tomorrow. Take my hand tonight. We can find some place to go. Cause our hearts are locked forever, and our love will never die. Take my hand tonight. One last time. Take my hand tonight. Let's not think about tomorrow. Take my hand tonight. We can find some place to go. Cause our hearts are locked forever. Bien, nous y voilà les amis, le dernier épisode du Let's Play de Final Fantasy XV. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La citadelle. Enfin on se retrouve. Et je vais bientôt reprendre le trône. Il était temps Noctis, il était temps. Au moins on n'est pas dans le noir. Il a dû tout allumer pour l'occasion. Oui, il attend ma venue depuis longtemps. Vous croyez que les ascenseurs marchent? Ouais, on dirait bien. Décidément, il a déroulé le tapis rouge. Tant mieux. J'avais pas envie de monter à pied. Eh bien, nous sommes rentrés à la maison. C'est au niveau des marches que nous venons de monter que l'épisode 1 avait commencé, quand le roi Régis avait dit au revoir à Noctis au début du voyage. On est revenu à la case départ. En avant pour la salle du trône. Prochain arrêt, la salle du trône. Ouais, Ardyn doit nous y attendre. On va lui apprendre à squatter. Ce soir, on va tout reprendre. Ouais. On va régler nos comptes. Ça, c'est bien dit. Allez vers la salle du trône. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est vachement joli. Vous vous rappelez comment on était nerveux avant notre audience avec le roi? Oui. Cette salle est impressionnante. J'arrive toujours pas à croire que j'ai eu la chance d'y être. L'impression que c'était il y a une éternité. Ben, il y a 10 ans déjà. En réalité, Ardyn aussi aurait dû être sur cette peinture. Qui aurait cru que c'était un membre de la famille royale? Il a vécu tellement longtemps, tout seul, dans un monde qu'il a rejeté. En réalité, Ardyn a vécu tout seul. On le plaindrait presque, hein, ce pauvre Ardyn. Il a pas vraiment demandé tout ce qui lui est arrivé. Il a été rejeté sur le cristal alors qu'il essayait de bien faire. Ardyn, c'est les ténèbres dont parle la légende. Quelle ironie. Il était censé être l'un des rois de la lumière. Oui. Mais je vais mettre fin à son calvaire. Tu te rends compte? Tu vas réaliser le dernier chapitre de la légende. C'est plus ou moins ce que je disais, Ardyn n'a pas mérité ce qui lui arrive, quoi. Il sauvait les gens, il leur aspirait la maladie à travers son corps. Je me souviens d'un tableau sur lequel tu avais laissé une marque. Est-ce qu'elle est toujours là? Non, on ne peut pas la voir. Un de mes suivants avait habilement réussi à la camoufler. Bon, on s'est assez promené, mais il me semble qu'il restait une toile. Ah, celle-là. La peinture de la prophétie. Elle est toujours accrochée au mur? Ouais. Elle est intacte et superbe. Alors on va vraiment voir cette légende devenir réalité. Ouais. Et aux premières loges. On a fait le tour du lore. J'étais petit, je détestais cette pièce. C'est parti. Ah bon? Pourquoi? Quand on arrivait ici, le visage de mon père devenait toujours si sombre. Il avait de la peine pour toi. Il connaissait le destin qui t'attendait.
Et c'est pas Jojo. Allez, on y est presque. Alors, tu es prêt, Noct? Oui, mais... juste une dernière chose. Prends-toi. Tu peux me montrer tes photos? Hein? Oui, bien sûr. Il ne m'en faut qu'une. Pour l'emporter avec moi. Ah. D'accord. Je comprends. Tiens. Prends celle que tu préfères. Hésite pas. Et c'est l'heure du petit moment nostalgie. Toutes nos photos. Ça nous plonge immédiatement dans le passé. On pense à ce qu'il y a eu avant. Et juste après aussi. Les photos de cette époque sont toutes fraîches dans ma mémoire. Une dans laquelle apparaît aussi la Regalia. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je sais déjà plus ou moins celle que je veux. Le nombre de villes et de magasins qu'on a visités. Où que l'on aille, on ne s'ennuyait jamais. Ouais, c'est clairement une autre ambiance maintenant. C'était le bon temps. Ça semble si loin déjà. On peut dire ce qu'on veut de ce Final Fantasy XV, que la narration est décousue, ce que vous voulez, qu'il n'est pas à la hauteur des autres. Franchement, moi personnellement, qu'est-ce je ne trouve pas. Ça te rappelle des souvenirs? Je trouve que au niveau émotion, au niveau... La claque est là quand même. Ce monde ouvert, ces personnages, ce temps, ce bon vieux temps nous manque, on en a presque de la peine pour les personnages. Le premier boss qu'on n'a pratiquement pas revu par la suite. Le relais Chocobo. La rencontre avec Morteuil. Il avait de belles dents d'ailleurs. Et oui. Elle est sympa celle-là. Ah, il m'en faudrait une, oui, mais plus ou moins symbolique. Ah, ça, c'était stylé quand même. Ils étaient si insouciants. Sympa. Ah, je sais laquelle je veux de toute façon, mais je sais pas à quel moment elle apparaît. Ah, ça aussi, le défi de Prompto, là. C'était tendu, ça. Ardyn, l'instigateur de tout ceci. À l'époque, on ne se doutait pas un seul instant de ce qu'il nous réservait. C'était l'humble voyageur, le bonhomme un peu cinglé. L'île d'Angelgard. Iris, quand elle avait rejoint le groupe. Le premier combat face à Aranea. Qui était stylé d'ailleurs. Nos petites aventures au fourré de Malmalam. Je me souvenais pas qu'Aranea avait rejoint le camp à un moment. Ah bon. Les Cup Noodles. Sympa. Ouais. Gladio qui était planqué derrière. Ah, c'est celle-là que je cherchais. Celle-là, elle est parfaite pour immortaliser notre périple. On apparaît tous dessus. Des meilleurs clichés quand on est tous les quatre dessus. Dustin, Monica, Sid, Cor, Talcott. Donc, ce sera cette photo. Tu confirmes? Carrément, oui. Allons botter les fesses à Ardyn. Ouais. Oh non!
Tu n'as décidément pas le vent en poupe. Le trône, tu aimerais t'y asseoir, n'est-ce pas? Malheureusement, je crains qu'il soit occupé. Tu n'as rien à faire sur ce trône. C'est la place du roi. Tu as pris ton temps, Noctis. Je commençais à me dire que tu ne viendrais jamais. Cette fois, l'heure est venue de mettre fin à ta lignée. Il déborde littéralement de rancœur. Ouais, ça a dû le bouffer. Il est toujours sur le trône? Ouais. Je vais vite l'en faire descendre. C'est ma place et je vais la reprendre. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis débarrassé des éléments importuns, afin que nous soyons entre rois. Je t'attends, Noctis. On est parti. Alors pour ceux qui se poseraient la question, les quatre cadavres qui flottent là en haut et qui disparaissent sont le roi Régis, donc le père de Noctis, Luna Freya, Nyx, le héros du film Kingsglaive, et l'empereur Yedolas Alderkapt. J'ai fait mes petites recherches, oui, de mon côté. Pourquoi il joue avec? Bah pour faire passer le temps, j'imagine. Il est tellement bizarre. C'est parti. Il est loin le temps du petit prince faible et ignorant. Voyons ce que tu vaux maintenant en tant que roi. J'espère que tu ne me décevras pas. Bien. Reprenez. Oui. Finissons ça. Bien. Et si nous commencions les... Tu penses donc être l'élu? C'est uniquement parce que j'ai été injustement écarté. J'hésite à parler parce que je sais qu'il parle à un moment, Arlene, dans le combat. Je suis en train de me faire déglinguer, oui. Il faut savoir qu'il a à peu près les mêmes... Il a à peu près les mêmes pouvoirs que Noctis, donc on fait attention. Tu es aveugle. Sois ça, Jardine. Et si tu mourais? Comment sais-tu de ce que j'ai fait dans ce monde? Comme tu as pu le constater, je n'ai pas chômé. Restons prudents. Il est en train de me donner des coups de pied aux fesses. Mais arrête avec tes assauts éclipses, ça me perturbe. C'est moi qui l'ai fait d'habitude. L'anneau, je suis pas sûr que... Il sert à rien en fait. Ouais, clairement il sert à rien. On va rester sur l'épée. Viens ici, allez. Il est où? Je l'ai perdu, il est là. Il va trop vite. Genre, comment t'as fait ça? Izunia. Il est là. La force du roi élu. Je vois que l'élu a du mordant. Nina. Échappez belle. Et si tu mourais?
semble mal barré. Non, genre, je peux faire une invoque. Oh, le feu. On a vu Shiva, on a vu Bahamut. Et c'est au tour de Leviathan. Tellement stylé. Petit élixir. Bah il est où? On a perdu Ardyn. Oula. D'où tu sors toi? Ça fait mal. C'est la preuve que tu es encore vivant. Leviathan ne l'a pas achevé par contre. Oula. Tu as le pouvoir du cristal. Voyons un peu s'il surpasse le mien. Est avec moi. Tu ressembles déjà un peu plus à un élu comme ça. Ça va se jouer à celui qui aura le plus d'endurance. Voici venus les anciens rois du Lucis. Est-ce à dire que tu es enfin prêt à accomplir ton destin? Quand ton cher papa est mort, tu t'amusais comme un gamin irresponsable avec tes camarades. Quand ta fiancée est morte, tu as passé des jours alité et tu t'es morfondu comme une loque. Tu crois m'avoir surpassé après 10 petites années? Qu'est-ce que tu t'imagines? J'ai passé des siècles au cœur des ténèbres. Et si tu mourais? Je vois. Tu
as bien choisi ton arme. Tu as gagné, roi élu. Tu vas chasser les ténèbres, ramener la lumière et la paix dans ce monde, et effacer une fois de plus mon nom de l'histoire. Cette fois, tu reposeras en paix. Ferme les yeux. Et dors pour l'éternité. Je t'attendrai dans l'au-delà. C'est ici qu'on se sépare. Ouais, c'est comme ça. Allez, vas-y. Merci pour tout. Prompto. Gladio. Ignis. Une dernière chose. Souvenez-vous. Gardez la tête haute. Bonne chance. Où que tu ailles. Majesté. Merci à vous. Je suis rentré. La tête haute. Ça m'a pris du temps. Mais je suis prêt. Je vous dois tout. Luna. Les gars. Et toi. Le temps qu'on a partagé est éternel. Roi du Lucis. Venez à moi!
pas confiance. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Je vous passe une petite partie des crédits de fin à cause des droits d'auteur sur la musique de Stand By Me. Et on se retrouve un poil plus tard. En tout cas, une sacrée aventure, on débriefe juste après. C'est bon de camper tous les quatre. Ça a dû vous manquer. En effet, oui. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a? À vrai dire, bordel. Désolé. J'ai du mal à trouver les mots. En fait, je suis revenu pour aller jusqu'au bout. Mais là, quand je nous vois comme ça, tous réunis comme autrefois, honnêtement, j'ai peur de flancher.
C'est normal. C'est pareil pour nous. Tu vois que tu peux quand tu veux. Merci pour ta franchise. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai. Vous êtes comme des frères pour moi. Thank you.
Luna Freya. Grâce à toi, Noctis a eu l'anneau. Merci. Comme tu le sais, il n'a pas toujours été facile. Mais je suis très fier de lui. Soyez heureux ensemble. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce Let's Play sur Final Fantasy XV. Un jeu, ben ma foi, qui a été... Pour moi, il a été vraiment bien. C'était une claque, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je ne comprends pas pourquoi il reçoit autant de critiques, malgré le fait, d'accord, que son scénario soit un petit peu troué. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Laissez le petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. À bientôt et portez-vous bien.